La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée. C'est que la guerre ne meurt jamais. Bonjour Multimédia YouTube, comme vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui nous allons jouer à Fallout 4 et j'espère que ce jeu va vous plaire. Moi en tout cas je vais faire une vidéo démonstration avec vous. Et si tout se passe bien et que vous aimez également le jeu, bah, je continuerai à faire une partie. Hein. Ça dépendra si vous mettez plein de pouces verts et si vous êtes beaucoup à me le demander, sinon ça restera une simple découverte. Donc on peut choisir un homme ou une femme, je vais montrer rapidement tous les visages qui peuvent être, enfin toutes les options qui sont possibles. Alors, on peut changer les cheveux, on peut changer le front, on peut changer les sourcils, on peut changer le milieu des sourcils, on peut changer les sourcils intérieurs, on peut changer les paupières hautes, on peut changer les paupières basses, bref, le nez bas, le nez haut, enfin toute la personnalisation est complètement folle et on peut vraiment faire tous les visages que l'on veut. Bon là je vais vous en faire défiler les 15 de base. Mais vous voyez que véritablement on peut vraiment personnaliser comme on le souhaite son personnage et son avatar. Et pour la première fois on peut aussi changer la fille et jouer une fille hein, a priori. Alors que bon jusqu'à présent dans tous les Fallout on était obligé de jouer des garçons. Donc ça fait quand même une bien grosse différence déjà. D'ores et déjà, plutôt, avec les autres Fallout. Sachant que moi, je suis fan des Fallout, j'ai joué à tous les Fallout qui ont existé. Je ne peux pas dire que je suis fan de tous, mais ça, c'est un autre problème. Donc là, je vais vous montrer les filles aussi. Je ne vais pas rentrer dans la personnalisation pour tout vous montrer. Je vais me contenter de faire défiler ces 30 visages, finalement, différents. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont les faire aussi bien, enfin qui vont vous les montrer des créations de personnages beaucoup plus poussées. Moi ici je suis dans une vidéo découverte, donc je vais faire sûrement des ellipses au milieu, parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que déjà dans un jeu où on peut seulement changer quelques paramètres, je mets une demi-heure à créer mon personnage. Alors ici, c'est même pas la peine, je vais mettre 800 ans à les changer.
Donc je vous dis à tout de suite dès que j'ai fini de choisir mes personnages. Donc voilà, après m'être débrouillé pendant plus d'une heure à faire les personnages que je voulais, je sais pas exactement si ça aura une grande importance d'ailleurs, parce que je sais que c'est un couple, mais je crois qu'on va en jouer qu'un des deux. Alors bon, je vais prendre le mec, mais voilà, j'espère que ça aura une importance d'avoir choisi la fille aussi, d'avoir tout paramétré, parce que j'ai vraiment passé un temps fou là-dessus. Sauvegarde automatique, ok, ben il en faut bien. Donc c'est une découverte, hein, ici, je pense que c'est le tuto du jeu, hein, finalement. Bonjour, Donc, monsieur. bonjour. Merci, Cotsworth. Bien sûr, monsieur. Et Qu'est-ce que donc, je on va peux apporter découvrir de le plus? jeu ensemble. Bombe sucrée. 100% de l'apport Ok. quotidien. On va aller voir de suite ce que c'est, même si je me doute de ce que c'est. Ok. Bonjour, société Voltec. Oh. Ah, déjà, premier truc qui me plaît pas, c'est que je suis obligé de répondre avec la croix directionnelle, comme si j'avais une manette. Alors qu'avant, on avait le choix 1, 2, 3, 4, comme tout le monde. Maintenant, je peux choisir à la souris aussi, pourquoi pas. Après, il Qu'est-ce veut que dire vous qu'on voulez? écoute. Ravi de vous rencontrer. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça La fait des jours synchronisation d'absent. labiale est pas top C'est quand même. vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Comme par hasard. Bon, il y a cette Il place, y je a de la place suppose. pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, Alors, on voit bien que ça bug un petit peu sûr. l'écran en Sauf bas. pour votre robot, naturellement. Mais bon, En fait, vous avez déjà accès à ça doit être l'abri. normal. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Oui, bah Ça ne ça, prendra on que s'y 9 attend aussi, on est dans Fallout quand même, hein. Bon, allez, on va être Vivement sarcastique. la fin du monde. Ça me plaît. Alors, voyons. Ok, donc le nom, ben moi ça va être très simple, ça va être Tikem. Alors, le force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité, chance. Il faut savoir que c'est un modèle assez particulier qui va avec Fallout, qui est normalement le modèle spécial, hein, strong pour force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et luck. Ouais, finalement, il n'y en a que deux qui changent. Pour le spécial, c'est le force et le chance. Bon, bref. Ici, on n'a que 21 points disponibles. C'est assez intéressant. Il me semble que dans les anciens Fallout, on avait 5 points de base dans chaque compétence. Et on avait style 5 ou 6 points à répartir dans chacune des choses. Donc, la force, bien sûr, c'est la force physique qui correspond à la puissance brute. La perception, c'est généralement pour l'environnement et pour le SVAV, c'est-à-dire le système Voltec Advanced. Enfin bon, bref, en gros, vous verrez quand je serai en partie, je pense que ça sera expliqué. L'endurance, ça va être les points de vie et la forme physique en général. Ok, le charisme, c'est pour séduire et convaincre dans les dialogues. L'intelligence, c'est l'acuité mentale. Et ça détermine aussi les points d'expérience, tiens, intéressant. L'agilité correspond à notre habileté et à nos réflexes. Elle détermine également notre nombre de points d'action en mode SVAV, ainsi que vos capacités en termes de furtivité. Mais je pense pas que je vais faire un truc de furtif ici. Je vais plutôt faire un gros bourrin. Et la chance. Alors la chance, moi généralement dans les Fallout, soit on y met beaucoup de points, soit on n'en met pas, hein, honnêtement. Ça correspond à votre bonne fortune générale et détermine la vitesse de recharge des coups critiques. Donc voilà mon personnage, hein. Au bout d'un moment j'y ai réfléchi et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'équilibrer au maximum la chance. Comme je disais, pour moi, c'est pas quelque chose de super important. Puis ouais, je fais un personnage poissard après tout, hein, pourquoi pas. Donc relativement costaud, relativement avec une bonne perception, avec assez d'endurance, mais un bon charisme, une bonne intelligence et une agilité qui est quand même pas mal. J'hésitais à baisser un petit peu l'endurance et la perception pour récupérer 2 points, mais en même temps, je me dis, ça risque d'être nécessaire. Mais on va partir là-dessus, puis on va bien Formidable. voir ce que ça Je donne. crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Ouais, c'est bien ta gueule. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas?
Ah, par contre, d'ailleurs, les personnages sont toujours aussi lents. Je suis en train de me dire. J'ai changé la couche de chaude, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Codsworth? Allez, allez. Bah, je suis en train Alors, déjà. Comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Ok, je l'avais déjà fait tout à l'heure aussi. Là, par contre, te faut vraiment revoir tes fringues, ma belle. Hein. Ça va pas du tout. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Qu'est-ce que c'est que ces qu'on fringues de aller merde? Faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Plutôt regarder la télé, bonne idée. Pourquoi faire? Ouf. Là, je vais me mettre Tu crois comme sarcastique à c'est fond. lui dans le parc il y a un an? Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? On va aller voir. Maintenant, attendez, des éclairs aveuglants, des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu Qu'est-ce qu'il le a dit? contact avec nos autres studios. Bah, ta gueule, j'essaie de comprendre. Des sources sûres nous confirment que... Oui? Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à... Ah bah, à New York d'accord. et en Pennsylvanie. Donc c'est la catastrophe... Ok. Bon sang. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y. Habitant de Sanctuary Hills. Si vous Donc on va se barrer. Donc on a la fameuse... comment dire? La fameuse boussole à la... À la Fallout. Tout va bien. Bon, on a juste à suivre hein, pour le moment. Bon. Alors le jeu est pas spécialement ultra beau. J'ai envie de dire. Mais bon, pour un Fallout, c'est normal. Tous les Fallout ont toujours été pas très très beaux à leur sortie, d'ailleurs j'avais pas très très beau tout court de toute manière, faut bien l'avouer. Mais il est pas dégueu non plus, pourquoi pas, je fais une petite sauvegarde rapide. C'est et absurde. Je vais me dépêcher, ah là c'est je peux courir par contre. Vous ne rentrez si pas. Je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Laissez-nous okay. entrer, on est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, c'est bon, allez-y. Merci. Bonne chance on madame. Dieu nous vienne en Vous deux, aide. Suivez-moi, allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté on de la barrière? On fait tout ce qu'on peut. Allez, dépêchez-vous. On s'en Par fout ici. Qu'ils explosent. Voltec, Voltec. Bon, d'accord, on dit d'aller par là-bas, on va aller rentrer on dans l'abri. Donc, bon, comme je disais, de toute façon, Voltec, c'est toujours de la merde. Dans le sens où, ils essaient toujours de faire des expériences très bizarres avec les gens. Donc il faut se méfier. Moi, je peux plus bouger, on d'ailleurs. Presque. Tout ira bien. Je suis bloqué dans les narines du mec, sûrement. Tous les deux. On t'aime aussi. Oula, ça commence. Allez, on descend, s'il vous plaît. On peut pas aller plus vite. Oh mon Dieu, aidez-moi. Oh putain. On va se prendre manger des radiations pas possible. Après, on a vu, on a survécu quand même. On était les derniers gens de l'abri à pouvoir survivre. Donc on se retrouve en bas de l'ascenseur. On va quand même rentrer dans les abris. L'ascenseur et monter les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Ok. Alors généralement, de toute façon, dans Voltec, il y a toujours des trucs bizarres. Bienvenue dans l'abri 11, un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit monter l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti, je peux pas courir. Plus tard, n'y pensez on serait plus. Tous. Vous êtes en sécurité. Oui, on s'en fout. Continuons. Donc je suis dans l'abri 111. C'est marrant, ça me parle. Mais passons. Pardon. Bonjour. Une fois que l'abri sera verrouillé. On aura tout le temps de faire connaissance. Homme, femme C'est avec bon. Enfant. Oui, elle est là, ma femme. Elle avance. Le taux est un peu élevé. Tout va bien? Notre nouvelle maison. Prenez une combinaison. Les niveaux sont bons. Homme, bienvenue. Prenez une combinaison. Là-bas. Prenez une combinaison. D'accord, donc on va commencer déjà à avoir notre combinaison 111. Pour accéder au reste de l'abri. Avancez jusqu'à la table. Ben, je suis à la table. Faut que j'arrache des mains, c'est ça? Et maintenant? D'accord. Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Oh, le pitbull bon, qu'il a, il est énorme. Suivez-moi. Oui, bah avance. Allez, hey. Tu vois? Suivez-moi. C'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. On a tout perdu. Okay. Notre maison, tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington.
Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Ok, pourquoi pas. On pourrait dire que tout va bien, quoi. La combinaison de l'abri est conçue pour être aussi confortable que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai? Vachement. Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. Enfin bref. D'accord, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? Prenez votre temps, rien ne presse. Je sais pas s'il faut que j'aille là-dedans. Ou dans celui-là, peut-être. Papa est là, tu vois? Tu veux bien m'aider? Excusez-moi. Voltec est à votre service. Suivez votre guide. Entrez dans la capsule. Oui, donc c'est bien ça, enfin la capsule, mais laquelle? Tu veux bien m'aider? Celle-là, peut-être. D'accord. Donc, décontamination. T'as l'air d'en chier, mon grand. J'adore comment il s'est changé super vite, quand même. Vous devez être décontaminé et dépressurisé. Détendez-vous. Oh. C'est une nouvelle vie qui commence. Oui, bah oui. Ah, je sais pas pourquoi je sens que ma femme et mon gamin vont mourir. Une idée comme ça. Ah mais ils sont en train de me congeler en fait. D'accord, moi je pensais que c'était... D'accord, bon, admettons. Ok, donc je suis en train de me réveiller. D'accord, on est en train d'enlever ma femme et le gamin, forcément. Ok, donc a priori, le but du jeu va être de retrouver ma femme. Ok, donc il tue ma femme et il embarque mon gamin. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins il nous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Ok. Donc à première vue, je suis le plan B pour quelque chose. D'accord, d'accord. Donc ça se trouve, il nous avait gardé là parce qu'on avait un certain. Certain ADN ou. Certains groupes sanguins, peut-être. Ok, je me casse la gueule jusque-là. Sauvegarde automatique, capsule activée. Allez, il doit bien y avoir une ouverture. J'aurais bien sauvé ma femme quand même. Oh non. Et c'est bon. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Ok, donc on a tué ma femme, on a enlevé mon gamin. C'est bien ça. Où est-ce que je peux ouvrir les autres? Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Ouais, tu dis ça parce que tu connais pas Voltec. Reste que moi. Ah, mais ils ont tous buté. Y'a quelqu'un? Pourquoi? Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils sont tous morts. Mon dieu. Morts. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Ok, ça commence bien. Bon, c'est du Voltec tout craché, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Comment on se barre d'ici? Ok, je peux pas fermer ça. Ah si, je peux fermer. Voilà, c'est fermé. Je pense que je peux rien faire d'autre à part courir en avant. Ok. Exit zone, porte coulissante, inaccessible. Ok.
Ça me dit d'aller là-bas, sauf que bon, j'ai envie de dire, si je pouvais trouver une petite arme, quelque chose. Oh, il est mignon. Il est mignon. J'ai même pas une petite carabine à air comprimé, quelque chose, un pit boy, n'importe. Transfert, transfert quoi. Alliance, alliance, tasse à café. J'ai une tasse à café. Qu'est-ce que je fous avec ça, moi? D'accord, bon, bah, j'ai une tasse à café dans mon inventaire. Ok. Ah, c'est tab pour sortir. Argent d'avant-guerre. Ok, donc on va commencer à tout fouiller. Au moins, c'est comme avant, il y a plein de trucs qui servent à rien. Ok, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il me dit? Bienvenue, Terclim de Robcop Industries, autorisation sécurité de Voltec. Instruction de sécurité de l'abri 111. Confidentiel. L'abri 111 est conçu pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des sujets humains inconscients de leur situation. Le personnel de sécurité est responsable du maintien de l'intégrité de l'installation et de la surveillance des activités du personnel scientifique. En aucun cas, le personnel n'est autorisé à dévier des tâches qui lui sont confiées. Toute insubordination ou ingérence dans les opérations de l'abri constitue des infractions majeures, autorisant le personnel de sécurité à faire usage de leurs armes. Ok. Protocole des opérations. Tâches du personnel. Bon, administration des résidents, on va dire. Après avoir reçu l'avis d'activation de Voltec, l'ensemble du personnel est tenu de se rendre à la zone d'entrée pour participer à l'accueil des résidents. Le personnel de sécurité sera chargé du maintien de l'ordre et devra s'assurer qu'aucun résident ou membre du personnel ne quitte l'abri. Le personnel scientifique sera responsable de l'accueil des résidents, blablabla. Une fois tous les résidents installés dans leur chambre de conservation, débarrassez-vous des indésirables. L'entrée de l'abri ne doit pas être, et j'ai pas la suite. Okay. Ça doit être ça. Tac. L'abri 111 constitue une mission à court terme. Le personnel non résident est venu d'effectuer des tâches de recherche de maintenance de base dans l'abri jusqu'à l'émission du signal de fin d'alerte. En l'absence de signal de fin d'alerte de la part de Voltec, le superviseur peut décider d'évacuer le personnel au-delà de 180 jours de confinement. Le personnel n'a aucun cas autorisé à quitter l'abri sans qu'aucun signal de fin d'alerte n'ait été envoyé par les responsables de Voltec, autant que la période de confinement obligatoire dans l'abri n'est pas terminée. Ok. Suite à une catastrophe nucléaire, les employés de Voltec surveilleront la surface pour vérifier les dangers potentiels, radioactivité, invasion ennemie, nouvelle attaque, etc. etc. Lorsque ces conditions seront estimées satisfaisantes, fin d'alerte, blablabla, allez, j'ai pas envie de tout lire, enfin du moins, si j'étais seul, je lirais tout. Mais ici, en gros, c'est la merde, il y a bien eu une attaque nucléaire. L'extermination est le boulot de tout le monde. Bon, on doit évacuer, je sais, mais j'aimerais bien trouver, si possible... Ah bah oui, c'est le moment de t'asseoir, mec. Moi, je dis, tu viens de perdre ta femme et tout, c'est le moment. Un steampack, bien, bien, ça c'est, ça peut être utile. Donc les steampacks, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de grosse potion de vie, quoi. Ça peut faire repousser les bras, ça peut faire plein de trucs. Par contre, j'aimerais bien trouver une arme avant de sortir, quoi. J'ai vu qu'il y avait un gros scarabée. Bien avoir une arme, quelque chose quoi. J'ai pas une arme, ah mais j'ai pas de pit boy encore, c'est pas faux. Donc je suis sorti de là, ok. On va suivre le mur gauche et on va voir où ça mène. Ici on voit la cryogénisation, ok. Y a pas une arme, ouais. Bon, on va récupérer tout ce qu'on peut. Boîte à outils, je prends tout. Un marteau, rien pourquoi pas. C'est coincé, ok. Ah bah ils sont tous morts, donc comme ça c'est fait. Donc a priori il va falloir que je bouge par là. Donc là j'ai déjà fouillé, ok. Alors allons-y. Hein. Donc j'ai pas d'armes, c'est pas cool. Ok, toujours rien. Porte coulissante. Appuyez sur mousse 1 pour attaquer, d'accord. Il me file une matraque. Ok. Ah, d'accord. Ah, on voit le loup directement, un char de cafard. C'est quoi ce bordel? Ok, donc c'est vraiment pour jouer à la manette, quoi. Bon, enfin bref, cachard géant, donc je suis caché. Je suis caché, on me voit plus. Et à première vue, donc c'est pas les seules choses que le nucléaire a amené. Donc comme d'hab, hein, j'ai envie de dire.
Terminal de loisirs, j'ai pas envie de chercher, de rien avoir, les bureaux, y a rien, s'asseoir, c'est pas le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le frigo? Non. Plaque chauffante. Ouais, je vais tout embarquer hein, pour le moment. On voit mes PV ont déjà pris, ont déjà morflé, mine de rien. Pas top. Je peux boire? Bah bois alors. Ok, ça m'a remis un peu de vie, je crois. Vraiment peu quoi. Tu peux aller aux chiottes aussi, non? T'as une petite douche? Non, c'est peut-être pas le moment non plus. D'accord, non, c'est pas le moment de t'asseoir. C'est vraiment pas le but. Oh que je suis beau dans ma combinaison 111. Allez, dégage. Allez, tu peux le faire. Je te jure, tu peux le faire. Voilà. Pas pratique. Bon, enfin bref. Donc on peut courir. On va continuer à explorer tout ça. Bien qu'a priori, il n'y a pas grand chose à faire. On va continuer. Hein. On va continuer. Ouais, par contre, ça m'emmerde ce truc. Ma sélection d'armes là. Donc mes points d'action, ok, ça c'est pour marcher, très bien. Mais pour ressortir mon arme, je fais comment? Je ne peux pas. Ok. Bizarre. Bon ça j'apprendrai, je regarderai un peu mieux dans les touches. Un petit peu plus comment ça se passe. Donc là j'y suis déjà allé, là j'en viens. C'est pas possible, il y a un moyen de sortir d'ici quand même. Donc a priori. J'ai un indicateur de mission ici, donc là j'ai buté ça, ok. Donc c'était là en fait que je m'étais trompé de virage. Tu crois que je t'ai pas vu toi? Tu crois que je t'ai pas vu? Comment ça t'es morte? Je m'en fous. Oula 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 oula. Hop 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 hop. Donc je prends des dégâts, on va se dépêcher de passer. Ok, donc je peux parer avec mousse 2, ok, mais hop là. Au moins je l'ai one shot, c'est déjà ça. On va prendre des... Qu'est-ce qui s'est passé? La chair de rat de cafard. Où sont tous les autres? Bah, tu les as déjà vus tout à l'heure, ils étaient tous morts. Donc, je suis surchargé, t'es sérieux là? Comment je fais pour avoir mon inventaire? Ah, tant que j'ai pas de pitboy, je ne pourrais pas avoir d'inventaire. Bah oui, logique. Logique, logique. Ok, ouais, je suis en danger, d'accord, mais bon. Il est où l'autre? Ok, non, j'ai tué les deux, première vue. Ok, on va essayer de rester caché pour le moment. J'ai déjà pris des radiations, parce qu'a priori je dirais que c'est des radiations le truc rouge en bas à gauche, hein, tout petit peu. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Ok, donc pour coulissante, ah on arrive vers des bureaux, ce qui a l'air d'être un peu plus intéressant déjà. C'est tout ce qu'il reste. Oh des steampacks, oh oui ça fait du bien des steampacks. Vous voyez, membres blessés, etc. Oh, il y a un flingue là. Mais prends le flingue. Mais couillon. Voilà, mieux. Ok, je peux zoomer. Terminal de superviseur. Oui, il devait être seul le superviseur du coup. Bienvenue. Instruction, attention du superviseur de l'abri 111. Hop. L'abri 111 est constitué pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des sujets humains, conscients de leur situation. Votre... Okay, oui, d'accord, ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, donc on s'en fout. Cryo à la terre. Non mais attends, je suis pas obligé de tout lire quand même. Bon. Je vais quand même essayer de le lire. Ça rame un peu. C'est bizarre que ça fasse comme ça. Alors, journal de superviseur. Peut-être qu'il va me dire ce qui s'est passé. Dysfonctionnement des systèmes. Il s'est passé quelque chose d'étrange à la capsule C3. Le sujet semblait avoir des palpitations cardiaques. Rien de grave, mais inhabituel. Nous nous sommes rendus compte juste à temps qu'il y avait un problème au niveau de la baie cryogénique de la capsule. Un peu de plus et le sujet a été commencé à dégeler. Je soupçonne un problème de niveau des systèmes de commande à distance de Voltec qui ont peut-être été envoyés un signal erroné. Il va savoir faire attention. J'espère que leurs systèmes seront fiables quand nous aurons évacué le personnel. Bah oui. Ok, ok. 23 octobre. Ça y est, c'est arrivé. Par chance, la plupart des membres du personnel étaient dans les parages. Quand les premières alertes ont retenti, nous avons eu une imprévue. Il ne manquait que Norddagen quand nous avons fermé l'entrée. L'admission des résidents s'est déroulée sans problème. Tout le monde a pu rentrer. Même une famille qui avait attendu jusqu'à la dernière minute. Donc c'est nous, ça. Je m'attendais à ce qu'ils aient davantage de gens suspicieux, mais les choses se sont passées si vite que personne n'a vraiment eu le temps de réagir. Ils étaient trop paniqués pour se poser des questions sur les capsules cryogéniques. Ok, donc on s'est bien fait avoir.
Manque de provisions. Ok, la fin des 180 jours de confinement obligatoire dans l'abri, les provisions ne sont pas prévues. S'il croit que nous pourrons partir une fois les 180 jours écoulés, il ne se rend pas compte. La radioactivité est encore assez élevée pour griller tout le monde, rien qu'en ouvrant la porte de l'abri. Si le signal n'était pas censé servir qu'à nous transmettre de nouvelles instructions de la part de la direction. Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas ouvrir la porte, mais nos provisions ne dureront pas. Ok, donc il y a eu une mutinerie à première vue. Un groupe mené par le personnel de sécurité est venu me demander l'autorisation de quitter l'abri. Bande d'imbéciles, pas question que j'ouvre la porte, je n'ai pas envie de me faire griller par les radiations. J'ai rassemblé les provisions qui restent et consigné certains membres du personnel à leur quartier. Il va falloir établir des priorités de rationnement pour le peu de nourriture qui nous reste. J'ai distribué les rations bien trop généreusement jusqu'ici. Si ça ne plaît pas à certains, ma foi, ce sera ça de moins. Ah, ça de bouche en moins à nourrir. Ok, donc il y a eu une mutinerie. Bon, c'est pas ça, mais moi il faudrait que je sorte à première vue. Donc j'ai un flingue maintenant. Enfin, j'avais un flingue il y a 2 secondes. Ok. Je sais même pas comment je change d'arme sans Pit Boy. Non, j'essaie un peu des touches. Hein. D'accord. Ok. Ok, donc 3 c'est ma matraque et 4 c'est mon flingue. On va essayer de continuer à la matraque hein, pour le moment. C'est verrouillé par terminal. C'est verrouillé par terminal. T'es gentil, mais. Bon. Oh, il y a un autre flingue là. Ok, ça c'est bon, j'embarque. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Bon, enfin, si les autres ont pu sortir et rentrer en embarquant le bébé, j'imagine que. Il y a moyen de. Oh, des cartouches de 10 mm encore. Il y a moyen de sortir de toute manière. Ok. Je sais pas comment je peux faire pour faire mon Steam Pack, parce qu'en fait finalement j'aimerais bien peut-être le faire. Non, non, d'accord, ok, ça veut pas. C'est ma foi. Ouais, ce truc sur la souris me dérange au plus haut point. Il faut sans doute un terminal pour ouvrir ça. Bon, je suppose que le terminal, il y a deux solutions, soit c'est un Pit Boy, soit c'est un. Est-ce qu'il y a des survivants? Oui. Ils ont pu sortir? Ou alors c'est par là. Hop là. Voilà, ils ont bouffé le bébé. Non. Voilà, ouvrir le tunnel d'évacuation. Ouvert. Rappelez votre équipe de procéder en ordre, de respecter les protocoles de fermeture, de quitter l'abri 111, de refermer, conserver tous les dossiers de votre personnel. Blablabla, on s'en fout. Donc normalement là, c'est ouvert. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, on va gaspiller mes PA parce que de toute façon. Mais j'ai pas envie de les affronter de nouveau à main nue, donc. Non mais sors ton flingue, voilà. Théoriquement. Une balle, un meurtre. Appuyez sur A pour viser vos ennemis en mode SASVV. SVAVAV. Ok. Alors, thorax 77%, une balle, deux balles. Comment je fais pour changer de cible? J'ai pas envie de. Je veux faire un coup. Partie du corps, changer de cible. AD. Ok, donc une balle aussi. Et a priori. Bon, thorax aussi, allez. Ok, on va dire qu'on accepte. Et je fais mes tirs. Ok, avec une vue qui est relativement stylée. T'es sérieux là? Je vous avais pas tué. Bon. On va prendre toute la bouffe possible. Mais bientôt, j'espère que je pourrai avoir le talent qui me plaît tant dans ce jeu. Appuyez sur R pour recharger votre arme. Ok, jusque là. Rien de passionnant. La souris, elle est énervée quand même. 1, 2. Ok, ça a l'air passionnant ta vie, mec. On va continuer à sortir. Appuyez sur L contrôle pour passer en mode furtif. Les attaques furtives infligent plus de dégâts. Rester dans les ombres, corps à corps et déplacer. D'accord, donc là je suis caché, ok. Faudrait que je reprenne du coup, je suppose, ma matraque. Pour porter des attaques au corps à corps, quand vous maniez une arme à feu, j'aurais pu me servir de halt. Ok. Donc, si je comprends bien, si je porte l'arme à feu, on va essayer de la reprendre déjà l'arme à feu. Qui est spécial quand même. Et que je fais halt. Ok, je vais taper avec la crosse, quoi, finalement. Bon, pourquoi pas. Je pense que. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur interface, mais ça ressemble vraiment à une interface de. T'es mort.
Ça ressemble vraiment à une... Ah, quoi. Bon, ta gueule. Ça ira plus vite. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. À un moment, j'ai foutu mon... Bon, bref, pas grave. Oui, tout le monde est mort. Ben, on a bien compris que tout le monde était mort. Ah, un Pit Boy. Ça va être intéressant. Enfin un Pit Boy, quoi, j'ai envie de dire. Il lui servira plus. Allez hop, mets ton Pit Boy. Voilà. Ils sont toujours aussi gros, toujours aussi mal fichus à première vue. J'espère que l'interface va être mieux que dans les autres. Dans les autres. Ouais, tu pourrais bien nettoyer ton écran déjà. Ok, donc ils ont refait leur délire. Hein. Non, oui, on sent qu'il y a une maniabilité un peu trop. Comment dire? Un peu trop. Console à mon goût déjà, et ensuite ouais, 4 4 4 5 5 4 2, donc ça c'est mon personnage. Ok, j'ai quand même de la raie du, ouais, j'ai bientôt un niveau 2, pourquoi pas. Aptitude, j'ai que dalle pour le moment. Pourquoi je peux pas faire le reste? Je veux pas faire de steam tech. Tableau d'aptitude, d'accord. Fanat capsule, donc ça c'est pour faire finalement ce que je veux faire, donc ça, chance 2, agilité 3. Ok, donc ah d'accord, donc on va voir un petit peu ce que ça bloque. Donc il y a des choses auxquelles j'ai pas accès finalement. Ok, armurier. Non mais sérieux, y a pas cannibalisme, c'est abusé ça. Y a pas cannibalisme, je suis dégoûté. Ouais, non, y a pas, à première vue, y a pas de cannibalisme, c'est spécial. D'accord, furtivité, fanat d'armes, nomade, vitalité. Ok, ils ont vraiment simplifié au maximum tout ça. Alt rang suivant. Ça ne fonctionne pas à première vue. C'est dommage parce que c'était un des trucs qui était super sympa dans les. Comment ça s'appelle? Ouais, ça fonctionne pas, ok. Exercice de charisme. Le charisme correspond à votre capacité à séduire, à convaincre la personne. Vous venez de gagner un point de charisme. Ah merde, je voulais pas fait gagner un point de charisme. Ok, j'ai fait des choses que je ne voulais pas faire à première vue. Non, si c'est ça, c'est ce que j'avais. Ok, inventaire, tenue, soin. Donc l'interface est toujours aussi bordélique, hein. Ça ils auraient pu quand même l'améliorer. Cartouche de 8 mm, les données hors du temps, ok. Donc je dois quitter l'abri. Ah, la carte, ça m'intéresse. La carte a l'air quand même relativement grande. On verra bien comment ça se passe. Généralement, bon, au moins on part dans un angle déjà, mais généralement c'est ce qui était un peu reproché à certaines. Oui, non, mais la radio de son jeu est désactivée, je veux pas l'entendre. Donc ok, bon, bah écoutez, je vais bientôt passer un level. Au moins on aura vu ça. Je vous avoue que je suis un peu étonné par le fait qu'il n'y ait pas plus de comment dire, d'aptitude que ça. Ah, mais il y en a plus en fait. Ok, ça m'avait fait peur. Ok, ok. Donc marchand de sable, pirate, chien d'attaque. Et on voit que toutes celles, je suppose, qui sont en image, en pointillé, ça veut dire que je ne dois pas pouvoir les prendre. Recycleur, scientifique, cible mouvante, ok, antiration, nyctalope, rein d'acier, visestal, réfracteur. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises ici, tueur en série. 15% de chance de récupérer tous vos points d'action quand vous tuez une cible en mode svase. Ça demande 8 en agilité, quoi. Ok. Cannibale, voilà, moi c'est ça que je veux. Nécessite 8 en endurance. Oh. D'accord, donc j'ai pas fini, il va vraiment falloir que je monte mon endurance, quoi. Ok. Cogneur, bon, et ça continue, hein, ça continue encore dessous, comment on fait pour déplacer? Voilà. D'accord, donc c'est l'arbre de, le nouvel arbre de compétences, finalement. Qu'est-ce que je peux y faire et comment je peux les monter? Ok. Et donc toutes les compétences, level 3, level 4, level 5, level 7 et tout ça. Jusqu'au level 10 finalement. Donc c'est un système intéressant qui a l'air beaucoup plus simpliste quand même que ce qui existait avant.
Mais pourquoi pas, hein, c'est pas plus mal d'avoir simplifié les choses. J'espère qu'il y aura toujours des choses comme, peut-être pas tueur de femmes, tout ça, mais au moins certaines aptitudes. Le cannibalisme, déjà, voilà, si elle n'y avait pas été, j'aurais été malheureux. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, bah voilà, ça va. Non, mais j'aimerais bien. Ah, c'est tab pour fermer, d'accord. Donc bah, pour le moment, je n'ai pas d'aptitude, c'est normal, on verra ça plus tard. Je vais finir le didacticiel, je pense, en sortant simplement de l'abri. Et ça mettra fin également à la vidéo. Hop là. Alors, donc j'ai récupéré un Pit Boy, machin. Je suis surchargé là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'avance si lentement? Oh punaise. Je crois que je suis allé un peu vite. D'accord, il m'a téléporté du bon côté, ok. Tac. Enfin, ceux qui ont chopé le bébé, je vois pas vraiment comment ils ont pu faire. Reculons. Donc oui, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc si vous voulez que je continue ces vidéos en mode découverte, hein, je connais pas le jeu, c'est la première fois que je le fais, bah, vous me le dites dans les commentaires, vous mettez un petit pouce vert et ça sera fait et je continuerai à jouer comme ça avec vous en vidéo. Et si ma foi ça vous plaît pas, bah écoutez, on va bien voir. Je continuerai à jouer dans mon coin. En tout cas, j'espère que ce jeu vous intéresse et vous aura plu. Et ma foi, on verra bien si je le continue ou pas en vidéo. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un kiff de jouer à notre ami Fallout, même si finalement il aura fallu attendre de nombreuses années finalement pour arriver à ce 4, à ce Fallout 4. Et que bah, pour le moment, je suis pas déçu. C'est un peu bizarre, il y a des trucs que je trouve un peu bizarres, donc j'ai pas encore vraiment d'avis hein, sur le jeu. J'ai envie de dire, c'est le genre de jeu, soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie, quoi. Voulez-vous apporter des modifications? Changer de nom d'attribut spécial, changer d'apparence, terminer et quitter l'abri. Bah écoutez, on va rien mettre pour le moment, vu que j'en sais rien. Donc je pourrais changer mes attributs. Ce qui pourrait être intéressant, parce que finalement j'avais dit que j'avais vu qu'il me fallait 8 d'endurance pour le truc là. Maintenant, j'ai pas tout regardé, donc au pire je recommencerai. Écoutez, on s'en fout, c'est pas ça. Le problème, changer d'apparence, je peux vraiment changer d'apparence? Ah merde, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. On va mettre entrée terminée, confirmer le personnage, oui. Allez, on va quitter l'abri, on va bien voir comment ça se passe. Merci d'avoir choisi Voltec. Chaque nouveau numéro de Grognak le Barbare ajoute un niveau à l'aptitude barbare qui augmente légèrement les dégâts de corps à corps et à main nue. D'accord, donc il va falloir que j'aille retrouver chez moi le Grognak le Barbare. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Blood on the harp, le sang sur la harpe. La plupart des fangeux ont une épaisse quelque chose et j'ai pas eu le temps de voir. Enfin bon, de toute façon, on va s'arrêter là parce qu'à mon avis, je suis proche quand même de l'heure de jeu. Enfin, il me semble. Je ferai même sûrement des coupes dans le jeu. Ce sera plus simple. Et maintenant, il faut que je rentre chez nous. Signal de radio actif désactivé. Ok. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Oh purée, tout a été massacré quoi, comparé à comme c'était tout à l'heure. C'est complètement différent. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que de toute façon je risque de refaire un personnage. Juste pour dire de regarder un petit peu les compétences qui m'intéressent. Enfin bref, je sais pas. Ou alors je continuerai sur ce personnage-là parce qu'après tout c'est quelque chose qui est vachement équilibré. En tout cas, le jeu est quand même joli, hein, on pourra pas dire le contraire. Allez, moi je vous dis à la prochaine en espérant que ce jeu vous a plu et je vous dis donc à bientôt, que ce soit pour ça ou pour du Hearthstone ou autre chose. Bye bye, petit ami YouTube! Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine.